monde, c'est Kira, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Arc Nexus RP. Aujourd'hui j'avais décidé de faire un petit peu des accouplements parce que ça fait longtemps que je n'en avais pas fait. Là je m'y suis mise un petit peu. Donc alors attention, on est en train de faire Bagheera avec un autre. On va voir le petit niveau que ça va donner. Bon, du coup dites-moi dans les commentaires ce que vous faites. Est-ce que vous avez chaud? Dites-moi que vous avez chaud par pitié. Il fait une chaleur! Mon dieu! Il fait une grosse chaleur ici, c'est un truc de ouf. Ah putain, c'est vrai qu'on a une hyène, j'ai oublié de vous montrer, tiens, cette histoire. Attendez, je vais vous faire voir. Tac. Regardez-moi ça, on a une petite hyène qui s'appelle Lucifer. On l'avait vu lors de l'ancien épisode qu'on a fait, mais je ne l'ai pas montré en... Regardez, attendez. Je vais vous faire un petit truc, hop. Voilà. Je l'avais pas bien montré. Oh là là, regarde la belle gueule. Oh la beauté! Qu'est-ce qu'elle est belle. Bon, du coup, je vais faire un petit peu de ça. Je vais faire un peu de reproduction. On a aussi un nouvel écus. Faut que je vous montre. Enfin, deux nouveaux écus. On a celui qui a la selle qu'on avait maintenant depuis plusieurs jours. Je dirais 2-3 jours. Et les deux petits nouveaux. Bon, c'est des petits niveaux à part celui-là. Là, il a un bon niveau. Je voulais faire de la reproduction, mais là, pour le moment, je suis un petit peu bloqué. Du coup, j'ai pas de mâle. C'est que des femelles. Tu veux que je le mette plus à l'entrée ou plus au fond? Plus vers la maison. Par ici? Oh bon, je l'ai placé pile en plus. Oh la vache! T'entends ce que j'entends? C'est agréable. C'est grave apaisant ce truc! Tu trouves qu'il est bien placé? Ouais, il a l'air pour le moment. On sent la zénitude depuis la maison. Ah, tant mieux. Ah, y'a qu'une seule. Bah écoute, c'est toujours bien. Hein. Ah bah tu vois? Regarde, il pleut! Ça a invoqué la pluie! Qu'est-ce que tu fais? Bah, je profite, je me baigne. Et c'est Et t'as chié dedans, gros dégueulasse! Oh la vache, écoutez la musique, comment elle est grave apaisante. Genre, the item, quoi. L'item qui te détend. C'est un sauna, un spa, un jacuzzi. Oh là 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 là, c'est beau. Vraiment avec la petite libellule, là. A few moments later. Oh le gros bébé! Oh là 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 là, elle a les couleurs de sa maman! Tony, viens voir! Elle a mis bas, ça y est, viens donc voir! Une petite fille! Oui, trop mignon! Bah tu vois, c'est petit, mais bon, ça mange vite hein, quand même. Hein. C'est costaud comme bestiole. Hein. Ouais, je en plus, ça, là, ouais. Je t'en train de calculer. Du coup, elle aura à peu près 172 neurones, donc tu vois un peu la bestiole. Eh bah, tiens, toute la maman, en plus, elle est toute noire, ah, ouais. Et toute mignonne. Ah ouais, tu m'étonnes, t'as vu les grandes dents? Bah, tu vois, c'est petit, mais bon, ça mange vite, hein, quand même. Hein. C'est costaud comme bestiole, hein. Ouais, je vois ça, ouais. En plus, là, je t'en train de calculer. Du coup, elle aura à peu près 172 neurones, donc tu vois un peu la bestiole. Bonjour. Oh putain, vous m'avez fait peur. Bonjour, vous allez bien? Bien, et vous? Ah bien, hormis que j'ai pas entendu votre ours, donc du coup j'ai failli faire un arrêt cardiaque. Désolé pour ça. Ah bah pas de soucis, vous inquiétez pas. Vous vouliez un petit renseignement? Là aujourd'hui, mon ami Tony est parti un petit peu en expédition pour aller chasser. Et là je suis toute seule, je suis en train de m'occuper en fait d'un bébé. Bah si vous voulez venir voir, venez voir. En fait j'ai ma femelle Sabertooth qui vient de mettre bas. Donc du coup faut que je m'occupe du bébé. Il est juste ici, regardez, attention, il est juste ici. Oh, il est trop mimi comme ça. Ah, vous avez vu? Bah, il a 172 neurones en plus, une petite femelle. Ah oui, un beau bébé. Ah oui, un très beau bébé, donc elle vient tout juste de mettre bas, donc c'est pour ça là, je m'occupe du petit, c'est pour ça que je suis pas partie avec Tony à la chasse, parce que c'est trop risqué, là on risque de le perdre. C'est sûr, parce que surtout à cette taille-là, ça... Et ça mange beaucoup, hein. Ah, surtout qu'elle est gourmande, la petite, donc le problème, c'est qu'il faut tout le temps la ravitailler. Vous vouliez un petit renseignement, peut-être? Bah oui, du coup, c'était pour demander c'est pour des dinos, en fait, si vous avez des dinos à vendre. Du genre, Doedicurus, Castor ou un ours. Alors, écoutez, des ours, on en a pas à vendre, Castoroïdes non plus, parce que justement, Tony est parti à la chasse, hein, donc c'est fort probable qu'il en ramène. Et Doedicurus, on en a qu'un seul. Pour le moment. Et je sais que Tony, justement, il est parti, il m'a dit il faut que j'aille chasser pour d'autres dinosaures, parce qu'on a des raptors, on a des carnots, on a des iguanodons, mais on n'a pas d'ours ou ce que vous avez demandé. Il est même parti pour dire aller chasser aussi de la hyène. Ah, j'en ai vu une toute seule au niveau du lac en plus. J'espère qu'il va ramener un des trois dinos que je demande, quoi. Bah, ça m'étonnerait pas en plus. C'est lui qui avait été vous chercher l'ours, hein, c'est ça? C'est ça, j'étais avec lui en plus.
Ah oui, c'est ça, c'est donc ça qui m'avait parlé. Donc ça m'étonne pas. Hein. Le connaissant, lui, c'est le premier à toujours vouloir faire plaisir et puis à répondre à la demande des clients. Donc ça m'étonnerait même pas qu'il revienne avec l'un de ces animaux. De toute façon, est-ce que je peux. Si vous êtes là, si vous restez dans le village à proximité, moi, dès qu'il revient, je lui fais tout de suite, je lui passe le message. Et s'il a l'un des trois dinosaures dont vous m'avez parlé, il vient tout de suite vous voir. D'accord, bon, de toute façon, il sait où j'habite. Non, bah. Non, c'est bon, c'était juste pour demander les trois. Trois dinos parce que mais en fait j'en aurai besoin pour mon métier donc ah oui aussi si c'est oui, possible un escargot ah oui ces petites bêtes je vois c'est lesquelles ils sont bien pratiques c'est vrai vous savez en tant que architecte parce... et ah c'est bien ça qui m'avait dit parce que moi ça je m'en mêle vite les pinceaux vous êtes architecte et électricien c'est ça. Donc pour faire de la polymère, il demande un peu de ciment, c'est... Ah ouais, je comprends, effectivement. En plus, certains demandent aussi de la polymère. Et vous recherchez pas quelque chose par hasard en dino? Parce que des moments, je me balade et des moments, je vois pas mal de choses. Bah écoutez, là, actuellement, on cherche un autre, bah, yen, hein, mais bon, ça, c'est pour faire des petits par la suite, donc forcément. Qu'est-ce qu'on cherche d'autre? Je vais pas vous mentir, j'aime bien... Bah après, ces bestioles-là sont très compliquées, hein. Je cherche, vous savez, ces petites bestioles qui vivent dans les grottes et qui font dodo la journée et qui se réveillent la nuit. Ah, j'en ai... franchement, si vous me l'avez trouvé un... Oh. C'est ah. Un kiff pour moi d'en avoir un. Bah justement, j'en cherche un. C'est vrai que c'est pas facile du tout à en trouver. C'est comme ces petites bestioles qui montent dans les arbres, les Thylacoleo. C'est une catastrophe pour en trouver. Ah, franchement, si vous trouvez un Megalosaurus, franchement, je vous le prends direct. D'accord. Ah, je veux dire, voilà, vous le gardez. Et si vous en faites le premier bébé, franchement, oui, je oui. Vous achète direct le premier. Bah, pas de souci, je prends, vous inquiétez pas. Puis Tony vous apprécie beaucoup. Il m'a dit que vous étiez vraiment une bonne personne au village, donc il n'y a vraiment pas de problème. Bah, franchement, oh là, vous m'avez donné le sourire quand vous avez dit ça. Ah, bah, vous inquiétez pas, je vous promets que si j'en ai un, je pense à vous. Je vous remercie. Bah du coup attendez, je vais donner un peu de viande que mon ours a du coup pour la petite. Oh bah c'est gentil, je vous remercie beaucoup. C'est la petite. Ah donc voilà. Donc je vous donne ça. En tant que architecte, parce que moi j'avais pas encore eu l'occasion de vous rencontrer comme Tony, comment ça se passe oui. En fait? Parce que votre maison c'est laquelle? Parce que j'ai vu une baraque super bien faite. Bah écoutez, elle était vachement différente des autres en termes de coloris et tout ça, elle était très différente hein. Ah, par contre, si elle était très claire, c'est la mienne. Parce que ah bah oui, elle est très 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 claire avec une boîte aux lettres devant. Donc oui, c'est ça, donc c'est bien la mienne. Ah ouais, vous rigolez pas. Sacré baraque, dis donc, parce que justement, j'y suis passé tout à l'heure. Je passais faire un petit tour pour voir l'évolution du village. Et j'ai vu ce gros machin et je me suis dit, la vache, j'aimerais bien savoir à qui ça appartient. Donc c'est à vous. C'est ça. D'accord, et du coup, comment ça se passe par rapport à vos métiers en tant qu'architecte électricien? On peut vous passer commande, je sais pas moi, pour faire des enclos, des maisons. Comment ça se passe? Parce que moi, je connais pas. Tout ce qui est architecte, ça... Maintenant, je vais commencer à mettre un tarif. Parce que au début, je savais pas quoi mettre. Du coup, je prenais juste le client, la commande du client. Donc, peu importe la taille. Du coup, d'accord. Je jugeais à peu près le prix. Mais bon, et là, j'ai eu des grosses commandes un peu grosses, quoi, on va dire. Oui. Et du coup, vu le prix, il était un peu faible, j'ai envie de dire. Du coup, là, j'ai commencé à juger par rapport au nombre de fondations que je posais. Ah bah, vous avez bien raison, parce que vous n'allez pas vendre une grosse maison au même prix qu'une petite maison. Ah, c'est ça. Et du coup, en tant qu'architecte, c'est juste, tout l'extérieur de la maison, ça comprend pas la décoration. Non. Et petite question vite fait, du coup, combien ça coûte tout un système de frigo, comme vous m'avez expliqué, là? Du coup, tout ce qui est frigo, franchement, je ne fais pas très cher, parce que voilà... Donc le générateur de chaque pièce que vous me demandez en électrique, oui. C'est 500 PO. Ah ouais, c'est vraiment pas cher. 500 PO, frigo 500 PO, plus 500 PO, ainsi de suite. Oh là 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 là, bah ça vaut vraiment le coup. Mais par contre, oui, il y a un petit truc, c'est qu'en fait, vous me fournissez le métal. D'accord, ok. C'est d'accord. Pour ça que c'est pas et vous me dites cher, le en fait. Nombre. C'est ça. Par exemple, un frigo, ça coûte 150 lingots de métal. Bon après, je vais pas vous mentir, moi je trouve que... Bah, venez voir, je vais vous montrer un petit truc. C'est le forgeron qui est plus là ces derniers temps oui. Parce qu'il a du mal à se réveiller, qui avait fait cette bâtisse. Du coup, bah il l'a pas terminée. Donc Tony a tenté de boucher en haut parce que c'était rempli de trous. Donc c'est voilà, vous voyez ça, je trouve pas ça top. Ça j'aime oui, pas trop. Bon, c'est vraiment le petit. Non, il y a deux choses franchement qui fait tâche dans votre village. Pour moi, c'est l'infirmerie et la forge. Et la forge.
Ah bah voilà, on est d'accord. Ça. Ah bah voilà, vous voyez, j'ai un petit peu l'œil d'architecte quand même. Vous savez, quand vous voyez qu'il y a quand même pas mal de patterns, pas mal de couleurs, pas mal de choses... Ah bah oui. Sur les autres bâtiments que tout d'un coup vous voyez un truc à peu près cubique. Ah bah je suis totalement d'accord avec vous, bah oui, bah voilà. Voilà. Et bah petite question. Une petite infirmerie, bon toute jolie bien évidemment, hein, pas moche comme celle-là. De cette petite taille à peu près, hein, parce que bon je demande pas non plus un grand truc, c'est une infirmerie. Vous prenez combien? J'aurais pensé plus à un petit 3 sur 3, vous voyez. Oui. Histoire de faire à peu près, vu que c'est une infirmerie, de faire à peu près chacun sa petite chambre. Ah c'est pas... Eh vous avez de l'idée, voilà. Vous dites donc, hein, on sent que vous êtes architecte dans l'âme. Hein. Merci. Comme ça, vous voyez, comme ça, il y a chacun sa chambre personnelle, avec chacun ses petits problèmes, je sais pas, par exemple... Ah oui, bah, oui, je comprends. Un petit... combien ça? Des médicaments à prendre, du coup, au moins, il est tranquille, à chacun, il y a sa petite pièce avec ses médicaments, c'est pas tout le monde est mélangé. Mais du coup, comment ça se passe? C'est dans une seule et même pièce que vous faites ça, ou non, vous faites en plusieurs parties et tout ça? En plusieurs parties, pour que ça, quand même, chacun, ça... Parce que moi, et du voilà, coup, c'est pour pas voilà. Que ça prenne non plus trop de place, vous voyez, pas que ça s'étend trop loin non plus. Au cas où, si par la suite, non, vous savez, je vous rappelle pour faire d'autres bâtiments. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, un petit. Comment j'ai dit ? Oui, un petit 3 sur 3, c'est pas très grand. C'est à peu près ça, faut juste rajouter 3 fondations en plus et c'est bon. D'accord. Et du coup, ça serait combien à peu près ? Ben, j'ai essayé de juger à peu près, j'ai dit 30 PO la fondation. Franchement, allez, vu que je vous apprécie vraiment bien. C'est gentil. C'est vraiment un truc vraiment pas cher, quoi. J'ai dit grand max, vraiment le grand max, c'est combien? 500 PO. C'est tout. Oh là là, bah c'est vraiment pas cher. Voilà, je vous apprécie vraiment bien, du coup, voilà. Bah, c'est vraiment gentil, ça me fait plaisir. Et puis la forge, bah oui. Je vais pas vous mentir, j'ai envie que ça ressemble à une forge quand même. Qu'on voit que ça fait plus... La forge, je l'ai déjà en tête, la forge. Ah ouais? Tout ce qui est bah forge, donc, j'ai déjà tous les plans. C'est incroyable ça, mais moi j'ai rien dans la tête, moi, à côté de vous. Parce que là, c'est mon ami qui a fait... C'est pas Tony, hein. Tony, je vais pas vous mentir, il s'est occupé de la maison qui est là-bas. Il a fait un beau truc, je sais pas s'il vous a montré un peu comment c'était fait à l'intérieur. Ah, c'est le commandant. Oh bah oui, dis donc. Mais je l'avais même pas vu. Bah dis donc, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est dangereux ça! Il s'en patrouille! Mais c'est dangereux, moi quel vertige! Oh là 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 là! Ils sont fous ceux-là! Il y a pas mal de monde! Ah bah alors attendez, je vais peut-être ouvrir la porte, venez donc! Oh dis donc, c'est des fous ceux-là! Il patrouille juste devant en fait! Ah oui, patrouillé je pense! Oh là là, bah dis donc, c'est des fous! Oh là là, ils ont peur de rien! Oh là là, la police! Quel héros! Oh là là, ils sont héroïques! C'est ça! Oh la vache! Des courageux chez. Non, pas de policier. Ah bah oui, tout à fait. Bah moi j'ai le vertige donc bon, moi c'est vite fait, je suis déjà dans les pommes. Au début il y avait des trous de partout en haut. Et en fait, vu qu'on n'avait pas tous les matériaux, en attendant, vu qu'il y a eu des vols et compagnie, avec Tony, il a tenté de reboucher en haut, mais c'est. Bah pas chez nous, mais je sais que dans le village il y a eu des vols. Bah je sais que le forgeron du village il a plus rien là, il s'est tout fait voler. Lequel? On m'a juste dit que c'était un forgeron du village. Et, le pauvre, bah justement vous savez, il avait pas encore les moyens de mettre un système de code. Bah non justement, on m'a juste dit il y a un forgeron qui s'est tout fait voler. Donc en fait, si vous voulez, il avait pas encore les moyens de se mettre, vous savez, le système de code PIN à la porte. Donc du coup, bah malheureusement, bah quand il est revenu tout à l'heure et qu'il s'est réveillé, bah il y avait plus rien. C'était quoi? Juste sans lui, il y avait plus rien ou de... Ah non, dans la maison, il y a plus rien, plus de matériaux, plus rien, plus de haches, plus de pioches, plus rien, plus de métal, il y a plus rien, tout a été pillé. Là, il a 70 ans. On dirait une orange. Yo, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ah oui, alors attendez. Alors, on va passer, c'est par où? Par la porte d'entrée? Non, ici. Ah, attendez, j'arrive. Là. J'arrive. Salut. Bien le bonjour. Oh là là, dis donc, bel oiseau. Bien le bonjour, monsieur. Yo, merci bien. C'est très, très, très voyant, surtout. Ah oui. Yeah, c'est les couleurs de la police du royaume de Sud. Oh, bah c'est une très jolie couleur, félicitations. Je vous remercie. Je me présente, je m'appelle monsieur Maurice. Je suis Jack Maurice, shérif de la police du Sud. Et je venais m'excuser auprès de ces habitants ici. C'est-à-dire que hier soir, j'étais... Comment dirais-je? Comment on appelle déjà l'expression? J'aime beaucoup les Ah, et c'est ça, rond comme une queue de pelle. Et j'ai montré mon gourdin, comme qui dirait, une ou deux habitants d'ici. Je voulais m'excuser. Oui. Et je voulais prendre aussi quelques nouvelles concernant
comment qu'on appelle ça ? Une sorte de campement apparemment illégal construit par des gens du royaume du nord, du sud, pardon. Au nord. Oui, oui. Ah vous oui, avez des infos concernant ce village ? Bah écoutez, je vais pas vous mentir, en fait, je suis partie en exploration. Bah je dirais il y a, ouais, facilement, c'était quand ? Il y a un jour de ça. Et écoutez, on a une petite forêt pas loin, la Redoud. Et c'est vrai qu'en passant, j'ai vu de grandes structures, en fait, qui venaient du sud. Donc ça, tout se passe vers la forêt. Après, je sais pas du tout à qui ça appartient. D'accord. J'aurais aimé savoir, justement. Bah j'ai pas de nom. D'idée, histoire que je dise... Que je note un petit coup. Et par contre, vite fait, avec mon compère, quand on était parti en exploration, on a vu quelqu'un se balader à proximité justement de cette structure avec un T-Rex. Donc je ne sais pas s'il appartient à quelqu'un du sud, hein, je parle pas trop vite, hein, on sait jamais, mais au cas où, je préfère vous préparer. Est-ce qu'il s'agit d'une maison au bord d'une falaise près de l'eau ? C'était près de l'eau, effectivement. Je sais plus si c'était près d'une falaise, mais en tout cas, près de l'eau, c'était tout un petit système de fondation en chaux. Ça doit être des amateurs. Bah oui, je pense que c'était des petits nouveaux, attendez. Je pense. Tu dois se balader avec un T-Rex ? Bah écoutez, oui, bah surtout que ça m'a fait peur parce que mon ami était en train de tenter d'attraper une hyène. Donc quand on a vu ce gros T-Rex arriver vers nous, on s'est quand même un peu taillé parce qu'on sait pas ce qu'ils nous veulent, ces gens-là. Je savais pas si c'était quelqu'un du nord, du sud, je sais pas. Est-ce que ce sont des gentilles personnes ou pas ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était illégal. Ouais, c'est surtout que c'était un T-Rex, quoi. Bah c'est pour ça, c'est très dangereux. Hein. Il faudrait des noms, il faudrait une localisation, comme ça c'est un peu flou. Ah là 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 là. Vous savez si quelqu'un peut en savoir davantage là-dessus ? Bah écoutez, ah bah si, le coiffeur. Vous le connaissez ou pas le coiffeur ? Oui, oui, moi je le connais, très Est-ce bien. Est-ce que vous connaissez son nom pour dire au monsieur ? Parce que alors c'est lui qui m'a donné des infos, justement, il avait carrément parlé à un sudiste. C'est Aigo. Hein, je crois que je l'ai déjà croisé. S'il a les cheveux à peu près jaune-vert, avec une barbe. Et il porte tout le temps des lunettes. Faites attention à vous, au cas où, si vous croisez un T-Rex ou quoi que ce soit, faites très attention, on sait jamais. À mon avis, il est protégé, hein, avec ça. Hein. Yeah. Ah oui, je sais, mais bon, je préfère prévenir, tu sais, on sait jamais, hein, ça va vite. Hein. Vous en faites pas. Le shérif du sud est armé jusqu'au trognon, c'est comme ça qu'on dit. Us, my man. Yeah. Ah bah d'accord, bah pas de soucis, bah tant mieux alors. Yeah. Et sinon, tout se passe bien ici. Oui, ah bah oui, tout se passe bien. C'est armé jusqu'aux dents, hein, au cas où. Ah oui, armé jusqu'aux dents, je sais plus. Ou les dents armées jusqu'au trognon, un truc comme ça. Je suis férus d'expression. Je suis férus d'expression aussi. Hier soir, je crois que c'est monsieur, comment il s'appelle déjà, monsieur de la Tour Gay, c'est ça. Henri de la Tour, c'est ça. Gay de la Tour, je sais plus. Oui. Il m'a appris une nouvelle expression. Il m'a dit, un œil n'a pas de bite. J'ai noté dans mon calepin. Ah, ou un bite n'a pas d'œil, je sais plus comment qu'on dit. Ah, celle-là, c'est vrai qu'elle est pas mal. Celle-là, c'est... vous m'avez appris une bonne expression. Là, c'est vrai. Yeah. Si vous en avez d'autres, surtout dites-les moi. Je les note toutes dans mon calepin. Ah, bah, vous inquiétez pas. Hein. Ah bah, moi, je suis en train de noter que je suis en train de noter. Ah, bah, j'y vous devriez pas. Noter aussi, c'est important de noter. Bah, attendez, je vais noter. Toujours noter, ma main. Yeah. Noter. Je vous regarde noter. J'aime beaucoup regarder les gens noter. Oh, le jour là. Noter des expressions. Ah, vous bah, aussi, je note, je note. Vous devriez noter. Non, non, moi je retiens, j'ai une très bonne mémoire. Ah, vous faites partie de ceux qui retiennent, ok. Moi je suis en train de noter que j'ai plus beau de tous les petits couicouis. Non mais c'est vrai que par contre il est très beau, il a quel âge dis donc ? Quelle beauté ! Il a 190 plumes. Ah quand même ! Tiens, caresse l'épaule de petit couicoui, va bien toucher l'épaule de papa, oui. Oh, les yeux magnifiques ! Et c'est vous qui... Vous êtes occupé tout seul ou non ? Comment ça s'est passé ? Oh là là, qu'il est beau ! Non, nous avons fait un contrat. On l'a acheté pour les biens de la police. Je fais mes rondes avec. Ah d'accord ! On a tissé des liens, lui et moi, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ou les liens se sont tissés, je sais plus comment qu'on dit. Eh, c'est que vous avez tissé des liens, oui. Oh bah il est bien beau. Bah dis donc, vu comment il vous regarde... Oh là là ! On voit qu'il y a une belle amitié, là. Et bien sûr. Ah, tiens, mange un ou deux cailloux, histoire de pas aller trop vite. Délicieux, les cailloux. Le mec totalement malade. Je crois pas que c'est bon pour lui. Ou elle, je sais pas si... C'est une petite femelle. Tiens, bah je vais te donner ta viande préférée. Voilà, parce que c'est surtout que... C'est... Oh la vache ! Oh là 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 ! C'est quand je lui donne la viande préférée. Vas-y. Petit coué-coué. Fais la belle. Oh là 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 là. Oh la beauté, elle a un petit nom ? C'est petit coué-coué. Petit coué-coué, d'accord. Bon, bah très bien. Ouais. Ah, petit, elle est quand même impressionnante, hein, elle est grande, hein. C'est vrai. Et du coup, vous elle êtes parti. Elle a les plumes qui filent au vent. Ah oui, c'est magnifique. Plumes, hein. Je sais plus. Yeah.
Et du coup, vous êtes venu ici jusqu'au nord pour enquêter? Bien sûr, ma girl. Toujours. Les enquêtes avant tout. Nous aimerions pas que le nord fasse boum boum, d'après ce que j'ai compris. Avec un des malheureux campeurs du sud qui s'amusent à s'aventurer un petit peu trop loin. Bah c'est ça, mais de sur le coiffeur, moi, que j'ai croisé. Attendez, par contre, je me permets vite fait, parce que j'ai une petite qui a accouché, donc faut que je m'en occupe vite fait. Venez si vous voulez. Merde, shake shake alors, j'arrive, je vais voir ça. Parce que le problème, c'est qu'elle vient tout J'aime juste d'accoucher. Tout ce qui est couché, accouché. donc vu qu'elle... Oui, papa revient, reste là-bas. Eh ben, voyez... ce sont de belles étapes ici. Ah bah c'est vraiment gentil, vous voyez, elle est là, la petite. Oh, tu rikiki. Ah, elle est toute petite, hein. Elle est toute mignonne. Bah, elle a déjà, mine de rien, elle a déjà 172 neurones, hein, la petite, hein. 172? Bah oui, parce eh que ben... sa maman avait... sa maman, elle a 240 ans, hein. Donc forcément, ça a fait un beau bébé. Elle a les yeux verts comme petit couicoui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais vous me dites, au cas où si un jour... Bon, bah, je pense que, bien évidemment, dans le sud, il y a de l'élevage, hein. Mais au cas où si un jour, vous cherchez, je sais pas, moi, que vous passez dans le nord, et vous avez une race précise que vous voulez ou quoi que ce soit, vous me dites, hein. Ok, je note. J'en ferai part à mes compatriotes, et je note que j'en ferai part à mes compatriotes. Ah notez. Ah bah, oui, je... notez, vous avez bien raison. Vous leur donnez quoi à manger? C'est quoi cette sorte de bouillie, là? Ah, c'est pas de la bouillie, en fait, si vous voulez. Il y en a qui ont eu des petits problèmes au niveau des gencives. Donc, du coup, on a dû, en fait, couper la viande en petits morceaux et la faire en sorte de bouillie. Parce qu'il y en a qui ont eu des petits problèmes aux gencives et des petites infections. Donc, c'est trop dangereux de leur donner carrément des gros morceaux comme ça. Ah, ok, je vois. Ok, je note. Pas de bouillie. Enfin, si, la bouillie. Voilà, tout couper à fait. Couper en morceaux, donner en bouillie pour les gencives. Eh ben, tout à fait. T'entends, petit couicoui, tu vas manger de la bouillie, toi. Beaucoup de bouillie, petit couicoui. Ah bah là, oui, avec les dents qu'il a, il est un peu obligé. Elle est où, la maman? Bah la maman, elle est... Non, ça c'est... Elle a pas trop mal aux jambes, ça, hein? Ça, c'est okay, le... C'est ça, c'est le papa qui a 164 ans. Ah oui! Je remarque le gros coucougnou. Oui, c'est bah ouais. Ah bah oui, celui-là, il rigole pas. C'est vrai qu'il en a une bonne paire. Oh! Ah, il fait... Bah oui, lui, il a tendance, c'est vrai, lui, il a tendance à toujours regarder quand il y a des invités. Parce qu'il vous connaît pas, donc forcément, il veut regarder un petit peu ce qui se passe. Il a failli mordiller l'agneau. Ah, vous inquiétez pas, bah oui. L'agneau. C'est vrai que ça, bah il a. Oh bah dis donc. Bah bonjour. Oh bah dis donc, bah, on se rencontre tous aujourd'hui. Oh putain, elle est joyeuse, appétit. Ça va, Kéo? Hello, mon maître. Ah, ça va, merci. Eh, bonjour. Bon. Je pensais qu'on était tout à l'heure. Yeah, je me souviens. Ah, il me demandait un petit peu des informations. Concernant le village, la construction légale au royaume du nord. Des habitants du sud, a priori. Ah, pas de problème, vous êtes ici, c'est un très joli petit village, tout se passe bien. Moi, je le dis, hein. Pas de problème ici. Vous avez vu Katsumoto? Vous n'avez même pas vu? Regardez, il vient tout juste de naître, je m'en occupe. Oh putain, c'est quoi cette merde? Bah, qu'est-ce que c'est? Mais c'est un peu de respect quand même, Katsumoto! C'est un rat, c'est une tête de rat, vous avez vu beaucoup de rats avec des grandes dents comme ça? C'est pas ça, et on dirait les dents, elles sont plus grandes que les pattes. Il a encore assez de pattes à pouce. Oui, bah il est surdéveloppé à certains endroits. Écoutez, c'est le bébé de Bagheera, vous savez, la grande Sabertooth. Ah, c'est vrai, ça n'est pas la grande tigre à dents de sabre. Bah voilà, ouais, bah écoutez, celle bah. Celle qu'on avait saisie. Voilà, bah écoutez, 172 neurones, la petite bête. Hein. Bah, c'est pas mal. Je m'excuse de vous couper, ma mère, mais bon, oui. je pense que je vais y aller, j'ai de la planche sur le pain, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Oui, bah oui, ça, ouais. Oui, voilà. Non, c'est pas ça. C'est du pain sur la planche. Oh bah dis donc, il y a tout le monde là, bien le bonjour. Monsieur, regardez, il y a le coiffeur ici. Je voulais vous poser des questions concernant le sud, vous savez, la fois dernière, quand on a vu les gens. Vous savez, quand vous avez vu les structures et que vous aviez croisé quelqu'un. Vous avez vu le commandant? Non, pourquoi? Ah oui. Ah, le commandant, je l'ai vu en Argentavis tout à l'heure, non? Mais suivez-moi, ça. Ah, pardon, c'est moi qui suis au commissariat. Ah. Il devrait arriver. Et par contre, Dame Kira, vous êtes d'une énergie, mais incroyable. Ah, vous avez vu? Ah, ben moi, je vais pas que le faire. À partir du moment où je dors un peu, vous savez, je pète la forme. Hein. Ah, c'est vrai, je l'avais dit. Mais par contre, pétez pas trop fort parce que ça risque de puer. Ah merde. Bah, ça, c'est le cas de le dire. Ah, et puis. Excusez-moi. Hey, j'ai vraiment une nouvelle à vous annoncer, mais je suis pas sûr que ça vous fasse plaisir, alors on va attendre le commandant. Oula, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur le roi, monsieur le roi. Oh, oui. Vous verrez bien, enfin, là. Venez voir. Ah. Dites-moi, vous êtes seule dans le cas? Non, je suis pas toute seule, Tony est parti en expédition. D'accord.
Vous avez vu, monsieur le roi? Et mon bon roi, vous trouvez pas ça ressemble à un rat? Ça ressemble pas à un rat, vous avez vu beaucoup de rats avec des grandes dents? Ah, voilà, merci, monsieur le roi. Mais il a quand même dit ça, un rat, mais même avec des grandes dents, ça ressemble quand même à un rat. Ah oui, des grandes dents. Mais regarde, en plus, il est difforme. Il a un gros, il a plein de pays difformes. Enfin, du coup, c'est dommage que vous n'étiez pas là il y a de cela 10 minutes parce que il s'est passé quelque chose. Mais je vais attendre le commandant. D'accord, ok, pas de soucis. Ouh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous me faites peur. Mais c'est parce que je suis obligé de m'occuper du bébé, c'est pour ça. Mais il avait dit qu'on en parlerait peut-être demain avec. Ah, bon, bah alors, dans ce cas. Ah, bah comme vous voulez, de toute façon, je suis encore là, donc il n'y a pas de soucis. Hein. On va essayer de voir si le commandant est toujours au sein du commissariat, mais si vers l'au-delà et l'infini, à bientôt, ma main. Au revoir, bonne journée. Ça fait plaisir. Essayez de voir mon bon roi au niveau du commissariat, s'il est toujours présent, mais sinon, il faudra... Oui, tout à fait, je vais aller voir le commandant. Pas de soucis. Attendez, je vais fermer cette porte-là. Attendez, vite fait, je ferme la petite porte. Hein, ça te dit de me montrer l'avancement du projet? Oh là 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 là, ils me font peur, là.